chers frères et sœurs en Christ, amis, quelle que soit cette période de crise et de questionnement, nous devons toujours demeurer dans la foi. Car nous savons tous que l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Oui, l'inquiétude, c'est vraiment une situation pénible. Surtout lorsqu'on attend un événement, c'est aussi une souffrance qu'on l'on craint. Oui, en effet, l'inquiétude nous parle d'affolement, agitation, d'angoisse et de trouble. Et nous savons tous que le monde est dans l'agitation, dans l'affolement, dans l'angoisse, dans le trouble. Le monde ne sait plus où se tourner. Le monde cherche des paroles de consolation, des paroles de restauration. À cause de tout ce qui se passe aujourd'hui, cette crise sanitaire, beaucoup sont dans l'angoisse, dans la solitude. Quand ils se retrouvent tout seuls le soir, ils sont dans l'agitation. Leur âme ne peut pas être en paix. Et qu'en est-il aujourd'hui pour l'Église de Jésus-Christ? Est-ce que l'Église est à l'abri? Est-ce que l'Église est à l'abri de l'inquiétude? Est-ce que l'Église ne vit pas des situations pénibles? L'Église pleure aussi leur mort. L'Église aussi a perdu des hommes et des femmes de valeur à cause de cette crise. Alors, que fera-t-il le juste? Ou bien, qu'est-ce que l'Église doit faire face à toutes ces situations difficiles, de tristesse? Où est l'Église? Ou bien, où est la place de l'Église face à tous ces drames, face à cette angoisse dans le monde, le trouble? Car s'il est vrai que toutes ces choses peut que abattre l'homme, malgré son intelligence, malgré ses richesses, car la plus grande richesse, c'est celle de l'intérieur, c'est l'âme, car aucune richesse, excepté celle de Dieu, l'amour de Dieu, est capable de changer un cœur. Mais rien ne peut changer les situations. C'est pourquoi l'homme vivra de plus en plus dans l'inquiétude, dans l'incertitude, s'il se tourne pas vers Dieu. Oui, toutes ces inquiétudes, toutes ces fléaux peut que abattre l'homme. Mais béni soit Dieu pour sa parole, car il est dit dans ce livre de Proverbes, mais une bonne parole le réjouit, le relève. Le seul remède à ce flot de l'inquiétude, ce sont des bonnes paroles qui peut le relever, qui sort de la bouche de Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il est dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toutes les paroles qui sortent de la Bible, ce sont des paroles de consolation. Car il est dit, toute écriture est inspirée de Dieu et vraiment utile pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger et pour nous instruire, afin que l'homme ou la femme soit préparé à toutes bonnes œuvres. Soit préparé dans toutes les situations pénibles, difficiles. C'est la parole de Dieu qui nous prépare. La parole de Dieu, bien-aimé, mon frère, ma soeur, ami, est vraiment un remède. Si tu es abattu, tourne-toi vers Jésus-Christ. C'est lui qui est capable de te relever. C'est lui qui est capable de te donner des paroles d'amour. C'est lui qui est capable d'écrire de nouveau dans ton cœur. Écrire dans ton cœur des paroles d'amour, des paroles de consolation. Car c'est lui qui détient cette plume entre ses mains. Personne ne peut écrire comme Jésus. C'est pourquoi il est dit, aucun homme n'a parlé comme cet homme. Ces hommes qui étaient venus prendre Jésus, quand ils ont écouté Jésus, ils étaient venus pour autre chose. Des mauvaises pensées n'étaient pas de Dieu. Mais les paroles de Jésus ont changé le mal en bien. C'est celui qui est capable de t'apporter des paroles de consolation. Si tu te tournes vers lui, parce que nous vivons dans un monde où certaines personnes sont vraiment, ils ont vraiment cette spécialité, sont vraiment des experts de prodiguer, de dire des paroles mauvaises, de abattre celui qui est déjà abattu. Mais tourne-toi vers Jésus. Je t'invite à te tourner vers Jésus aujourd'hui même. Celui qui détient tout entre ses mains. C'est pourquoi je répète, ces hommes qui sont venus vers lui avec des mauvaises intentions, lorsqu'ils ont entendu les paroles de Jésus, ces paroles de consolation, de restauration, car Jésus s'adressait à la foule, il avait la compassion, il avait l'amour du Père. Ces hommes n'ont pas pu faire ce qu'ils avaient envisagé de faire. Et ils sont repartis vers leur gourou. On leur a dit, mais pourquoi vous ne l'avez pas pris? Et ils pouvaient dire, ah non, 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 jamais homme n'a parlé comme cet homme. Alors tout se trouve en Jésus-Christ. Alors je t'invite, ami, toi qui cherches la consolation à ce moment, toi qui cherches des paroles d'amour, des paroles qui pourra te relever, je t'invite maintenant d'accepter Jésus-Christ et de se tourner vers lui. Et de procurer la Bible. Et là, tu pourras trouver, entendre des paroles
parole que tu n'as jamais entendue. Surtout dans le livre de Proverbes. C'est le livre de la sagesse de Dieu. C'est le livre qui pourra te donner la sagesse. Et cette sagesse, tu pourras la répandre autour de toi. Je t'invite vraiment à tout abandonner. C'est vrai que tu t'étais tellement fermé à cause des paroles mauvaises que tu as reçues. Parce que chaque fois que tu étais abattu, tu cherchais des consolations. Tu cherchais des paroles de consolation. Tu cherchais, tu téléphonais à tes amis. Et ils t'ont tous rejeté. Ils n'ont pas su te consoler. Ils n'ont pas su t'apporter des paroles de restauration. Mais Jésus, il sait mesurer. Il sait ce qu'il te faut. Les paroles de Jésus, c'est vraiment un remède. Car le Père l'a oint pour ça. Le Père l'a rempli pour ça. C'est vraiment le guérisseur de l'âme. Tu t'es tourné vers les psychologues. Je ne doute pas de leur capacité. Mais Jésus-Christ est au-dessus de tout. Si ces hommes qui sont venus pour le faire du mal, pour le capturer, ont pu changer, la plus forte raison pour toi que tu cherches, tu sais plus où te tourner. Mais je t'invite à t'arrêter, à écouter attentivement ces paroles et de aussi accepter de prier avec moi. Cela ne concerne pas simplement ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, mais pour ceux qui le connaissent encore. C'est pourquoi Dieu nous demande d'avoir toujours une attitude de foi. Et pour avoir une attitude de foi, il faut être dans une atmosphère de foi. D'où l'église de Jésus-Christ, d'où l'unité des frères et sœurs dans la prière qui se rassemblent pour vraiment exprimer cette attitude de foi. C'est pourquoi je t'invite à rechercher au milieu des hommes sages, des hommes qui suivent le Seigneur de tout leur cœur, cette sagesse qui vient du ciel. Eux, ils pourront te donner des paroles de sagesse, des paroles qui viennent de Dieu, parce qu'ils ont reçu de Dieu, comme les paroles que je te donne aujourd'hui. Je t'invite pleinement à se tourner. Toi, mon frère, qui as perdu le courage et un peu la foi à cause de l'inquiétude, à cause de l'angoisse, à cause des troubles, tu es troublé. Mais je t'invite à reprendre, à ouvrir de nouveau la Bible, à ouvrir de nouveau la parole de Dieu. Et là, tu pourras recevoir des paroles qui seront là pour te relever. C'est pourquoi je veux prier avec vous de tout mon cœur, par cette force, par cette foi, par cette détermination que Dieu m'a donnée de communiquer ce courage, cette force et de te relever avec moi. Nous allons nous relever ensemble parce que les paroles qui sont en nous, ce sont les paroles de Christ. Christ veut habiter en toi. Combien même viendra le fou, le trouble, l'inquiétude, l'Esprit de Christ mettra ces choses en vous. C'est pourquoi il est dit, combien même l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Car beaucoup de choses sont venues dans ton cerveau, dans ton esprit. Mais si tu prononces le nom puissant de Jésus-Christ et que tu te tournes vers la parole de Christ, tu pourras recevoir que la consolation. Alors je t'invite, je vous invite, ensemble, prions même pour celui qui vit dans le trouble, dans l'inquiétude, qui puisse recevoir la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, qui gardera notre cœur, nos pensées en Jésus-Christ. Seigneur, c'est pourquoi, ensemble, comme un seul homme, nous voulons vraiment s'agenouiller devant toi pour te prier, pour toutes ces âmes qui se tournent vers toi, qui se tournent, qui t'implorent, oh Dieu, que tu puisses leur faire grâce. Parce que tu es le salut de Dieu, Jésus-Christ. Tu es le seul consolateur. Tu es capable d'apporter le remède maintenant de l'angoisse, de l'agitation, de calmer la tempête. Toi qui as menacé le vent et la tempête, tu as reçu toute autorité dans le ciel et sur la terre. Alors Jésus, nous te prions par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, que tu manifestes ta gloire, ta sainteté, des paroles de consolation. Tu envoies ta parole dans ce cœur qui souffre, dans ce cœur qui est abattu, qu'il soit relevé à jamais pour la gloire de ton nom. Toi qui es le Tout-Puissant, toi qui es la parole de Dieu faite chair, cette parole qui est venue habiter au milieu de nous, cette parole qui console encore aujourd'hui, cette parole qui guérit encore aujourd'hui, guéris celui qui en a besoin, guéris celui qui veut recevoir pleinement, guéris celui qui est dans le trouble, guéris celui qui est dans l'angoisse, car il ne sait plus où se tourner. Toi, on maintient aux prises, on t'a emmené à l'hôpital, en psychiatrique, et on faisait que d'en rajouter des doses et des doses. Mais je veux prononcer une parole de guérison par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi tu as besoin de la parole de Dieu. Car les remèdes que tu as reçus ne peuvent pas tenir devant le remède qui est la parole de Dieu. Aucun remède peut guérir l'âme. Aucun remède ne peut guérir le cœur brisé. Seule la parole de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous le prions, Seigneur de grâce. De grâce, Jésus-Christ. Le monde est dans le trouble. Le monde est dans l'inquiétude. Seigneur, viens ranimer encore cette flamme au sein de ton Église. Que face à cette crise,
Que l'Église puisse être la solution. Que l'Église puisse être le chemin. Parce que le monde cherche le chemin. Mais aujourd'hui, en toi, Jésus-Christ, nous pouvons dire, nous sommes le chemin. Le peuple d'Israël a marché dans le désert, sur le désert et dans le désert. Ils ont marché dans des lieux arides. Mais nous, nous marchons sur ta parole. Parce que tu es le chemin, Jésus-Christ. Eux, pour aller vers le Canaan, ils ont traversé le désert. Un désert aride. Mais nous, pour aller vers le ciel, nous traversons ta parole. Nous traversons sur ce chemin, vers ce chemin qui nous donne la vie, qui nous emmène vers le salut. Et ce chemin, c'est toi, Jésus-Christ. Quel privilège avons-nous reçu en toi? C'est pourquoi nous voulons emmener tous ces bien-aimés à connaître, à recevoir ton salut. Et dans ce privilège qui est dans ta parole de Dieu, qui est plus précieux que l'or et l'argent. Qui est plus précieux que l'or et l'argent, Jésus-Christ. C'est pourquoi nous t'invoquons. C'est pourquoi je t'invoque, ô Jésus. Parce que je sais que la prière efficace de juste et puissante, libère les captifs, libère les opprimés. Tous ceux et celles qui sont troublés ce matin, nous prononçons des paroles de restauration, de consolation, des paroles qui libèrent. Ta parole, la prière aussi ainsi, est vraiment une clé qui libère. Parce que tu nous as dit que tout ce que nous lirons sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que nous délirons sur la terre sera délié dans les cieux. Quelle autorité! Nous te remercions pour cette autorité que tu nous as donnée. Et je te remercie, Père, par le Saint-Esprit, celui que tu as libéré en ce jour. À cause de ta parole, à cause de ton amour. Père, nous te remercions. Père, nous te rendons gloire pour tous ceux qui entendront ces paroles de libération. Pour tous ceux et celles qui sont dans l'abattement, qui ont le cœur abattu, qu'ils vivent encore dans le trouble, ils seront libérés. Ils seront libérés parce que nous croyons à l'efficacité de ta parole. Tu as créé le monde par ta parole. Tu as tout mis en place par ta parole. C'est pourquoi nous nous tournons vers ta parole, Jésus-Christ. Tu es la parole de Dieu. Tu es la parole qui guérit. Tu es la parole qui restaure. Alors manifeste ta grandeur. C'est pourquoi avec mes frères et sœurs, nous voulons nous réjouir en toi. Parce que celui qui se retourne vers toi peut que se réjouir, être dans la joie. Comme il est dit, la joie de l'Éternel sera notre force. Et que ta joie puisse être la force pour celui qui t'a reçu, qui a écouté ce message. Seigneur, que tu changes. Et je sais que tu vas changer. C'est pourquoi je te remercie. Sois béni. Toi, mon frère qui a accepté d'écouter ma sœur aussi. Et toi, le bien-aimé, que Dieu a appelé de loin. Tu ne le connaissais pas comme tu commences à le connaître aujourd'hui. Mais je t'invite à poursuivre avec lui jusqu'à la concrétisation de tes rêves avec Jésus-Christ. Et c'est lui qui pourra orienter tes rêves, ta vision et ta vie. Sois béni, soyez béni et que Dieu vous garde. Amen. Que Dieu vous garde. Amen. Que Dieu